Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Tantôt radieuse, tantôt sombre, Sissi, l'impératrice d'Autriche-Hongrie, est dépeinte comme une icône romantique ou rebelle. Ce sont ses poèmes longtemps cachés au public qui révèlent la vérité sur sa personnalité. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir, je vous emmène à la découverte de la véritable Sissi dans un récit en deux parties, réalisé en partenariat avec Advitam à l'occasion de la sortie du film Corsage le 14 décembre 2022. Sissi, une impératrice tourmentée. Épisode 1. Une jeune fille trop aimée. Nous sommes en Suisse en 1951. Édouard von Steiger, le président de la Confédération helvétique, se tient devant un coffret. Sissi, l'impératrice d'Autriche-Hongrie, l'a léguée à ce pays où elle est morte en précisant qu'il faudrait publier son contenu 60 ans après sa mort et offrir les fonds ainsi récoltés aux prisonniers politiques dans le besoin. Pour von Steiger, c'est un honneur d'être l'homme qui peut enfin ouvrir ce coffret et en découvrir le contenu. À l'intérieur, il y a des pages noircies par l'impératrice. Von Steiger parcourt les lignes, il n'en croit pas ses yeux. Ce sont des poèmes écrits par Sissi. En déchiffrant l'écriture fine et penchée, il est choqué. Comment une impératrice qui a été tant aimée et admirée a pu écrire des choses pareilles? Si ces poèmes sont publiés, il faudra le faire sous couvert d'anonymat. Un mythe pourrait bien s'effondrer. L'histoire de Sissi commence avec le mariage d'un couple heureux. Son père est Maximilien, duc en Bavière et non de Bavière. En Bavière parce que la branche cadette de sa famille, les Wittelsbach, n'appartient pas à la plus haute aristocratie et n'a pas d'obligation de représentation. Maximilien est un original. C'est un misanthrope qui aime la poésie et les voyages. Il a joué de la sitar au sommet des pyramides en Égypte. Sa femme, Ludovica de Bavière, appartient à la branche aînée des Wittelsbach. Elle est la fille du roi de Bavière. Toutes ses sœurs ont fait de beaux mariages. Le sien est une véritable rétrogradation sociale. Mais comme je vous le disais, c'est un mariage heureux duquel naîtront 9 enfants. Sissi est née le 24 décembre 1837. Elle est la troisième enfant du couple. Son vrai nom est Elisabeth Amélie Eugénie, mais tout le monde l'appelle Sissi. La petite bavaroise vit une jeunesse choyée. L'hiver, la famille est à Munich et l'été, au château de Possenhofen. Ce château blanc au volet vert, avec ses toits pentus de tuiles orange, est situé dans un écrin de verdure. Max n'élève pas ses enfants pour en faire de parfaits mondains. Il profite de la nature et de la bibliothèque. C'est suffisant. Il est particulièrement proche de Sissi. Le père et la fille partagent la passion des chevaux et ils en dressent ensemble. Souvent, elle entend son père lui dire que s'ils n'avaient pas été des aristocrates, ils auraient été des écuyers de cirque. Max emmène aussi Sissi dans les tavernes où elle prend très jeune l'habitude de boire de la bière, une manie qu'il ne la quittera jamais, même si c'est choquant pour une femme de l'époque. Sissi tombe amoureuse pour la première fois à l'âge de 14 ans. L'heureux élu s'appelle Richard, c'est un des écuyers de la famille. Pas question de l'épouser, il est de trop basse extraction. Richard meurt prématurément de tuberculose. Pour exorciser sa peine, elle écrit des longs poèmes mélancoliques. Chez les Wittelsbach, la mélancolie, aujourd'hui on parlerait de dépression, est une véritable maladie familiale. Sissi en montre très vite des signes. Goût pour la solitude, expression de la douleur dans ses poèmes, fascination pour la mort. Elle développe une personnalité assez sombre alors qu'elle vit dans un univers protégé. Elle n'a sans doute même pas conscience des révoltes qui déchirent l'Europe en 1848. L'année 1848 est marquée par ce que les historiens appellent le printemps des peuples. Pour résumer ce phénomène en quelques mots, disons que les conquêtes napoléoniennes du début du XIXe siècle ont commencé à remodeler les frontières européennes. Les peuples ont envie de se regrouper par culture et par nationalité plutôt qu'en empire hérité de la Renaissance. Pour la première fois de l'histoire, on assiste à une montée du sentiment national dans plusieurs régions simultanément. Pour bien comprendre la situation,
on va se concentrer sur la zone dans laquelle Sissi grandit. Le Saint-Empire romain germanique, qui allait du nord de l'Allemagne au nord de l'Italie, a cessé d'exister en 1806. Cet empire se morcelle et prend plusieurs noms successifs, la Confédération du Rhin, puis la Confédération germanique dans laquelle Sissi voit le jour. Une partie du territoire de l'Empire d'Autriche est incluse dans la Confédération germanique. Au moment où le printemps des peuples éclate, Ferdinand Ier est empereur d'Autriche. Il règne aussi sur la Hongrie et la Bohême sous le nom de Ferdinand V. À ce moment-là, toutes les nationalités qui composent son empire réclament leur indépendance. Les révoltes sont écrasées avec l'aide des Russes, les chefs de file sont emprisonnés et les biens des sympathisants de la cause confisqués. Malgré cela, l'empereur a eu peur de finir comme Louis XVI avec la tête sur le billot. L'année suivante, en 1849, une fois le calme revenu, Ferdinand V abdique en faveur de son neveu François-Joseph, qui devient empereur d'Autriche à 18 ans. Sa mère est l'archiduchesse Sophie de Bavière, la tante maternelle de Sissi. En tant que mère d'empereur, elle se fait un devoir de lui trouver une épouse et c'est dans son cercle familial qu'elle va chercher la candidate idéale. Nous sommes en août 1853. La bonne société allemande et autrichienne est invitée à Bad Ischl, une ville thermale qui sert de résidence d'été à l'empereur d'Autriche pour fêter les 23 ans de François-Joseph. Ludovica s'apprête à quitter Posenhofen avec sa fille aînée. Hélène est douce et jolie. C'est elle qui épousera l'empereur. Du moins, c'est ce que Ludovica et l'archiduchesse Sophie ont prévu. Au dernier moment, Sissi, âgée de 15 ans, demande à sa mère si elle peut elle aussi venir à Bad Ischl. Ludovica est ravie, ça fera le plus grand bien à sa fille de quitter ses chevaux et ses chiens pour venir dans le grand monde. C'est l'été, le voyage est long. Hélène n'est pas à son avantage pour aller au bal, alors que Sissi, beaucoup plus sportive, a mieux récupéré. Elle est sublime dans sa robe couleur pêche. Quand François-Joseph salue ses cousines, il est ébloui par la beauté de Sissi. Bon, toutes les filles Wittelsbach sont belles avec leurs traits délicats, leurs silhouettes fines et leurs chevelures épaisses et brunes d'un mètre 70. Mais Sissi a quelque chose en plus. Quelque chose de grave et d'indomptable qui le touche tout de suite. Pendant le bal qui suit le dîner, François-Joseph est censé prendre une rose dans le panier d'une bouquetière et l'offrir à Hélène avant de l'inviter à danser. Au moment décisif convenu par Ludovica et l'archiduchesse Sophie, l'empereur s'empare d'une brassée de roses et l'offre à Sissi. C'est elle qu'il veut épouser et pas Hélène. Ludovica est très embêtée parce que, en principe, on ne marie pas la cadette avant l'aînée. Mais au final, ni Ludovica ni Sophie ne peut s'opposer à la décision de l'empereur. Les fiançailles sont déclarées 2 jours après le bal et le mariage prévu pour le printemps suivant. En avril 1854, Sissi, qui a maintenant 16 ans, quitte le château familial en grande pompe. Pour l'occasion, elle a écrit des poèmes déchirants sur la maison qu'elle laisse derrière elle. François-Joseph est beau et gentil, elle pense qu'elle l'aime, mais elle aurait préféré qu'il ne soit pas empereur. Sissi remonte le Danube vers Vienne sur un bateau depuis lequel elle salue la foule. Le 24 avril, le mariage est célébré. Elle traverse Vienne dans un carrosse doré vêtu d'une incroyable robe blanche à longues traînes. Quand elle sort du véhicule, son diadème de diamants cogne l'encadrement de la porte. Elle voit ça comme un mauvais présage. Tout le monde la regarde remonter la nef de l'église jusqu'à l'hôtel et elle retient ses larmes. S'exhiber lui est insupportable alors que c'est précisément le but de sa nouvelle fonction. Le soir même, Ludovica et l'archiduchesse Sophie couchent Sissi dans son lit après l'avoir mise en chemise de nuit. Et puis, les deux femmes s'éclipsent. Enfin, elles ne sont pas très loin, probablement derrière une porte. Elles attendent que la mariée fasse son devoir,
accueillir son mari et faire le nécessaire pour lui donner des héritiers. Il attend la troisième nuit pour consommer le mariage. Et tous les matins, au petit déjeuner, Sissi subit sa mère et sa belle-mère qui gloussent en lui demandant si elle a passé une bonne nuit. Et elle lui offre même un coffret rempli d'or, le prix symbolique de sa virginité. La lune de miel ne dure pas longtemps. L'archiduchesse Sophie se fait un devoir d'apprendre le protocole de la cour à la nouvelle impératrice. Les règles de vie à la cour sont héritées de la Renaissance. Elles sont très contraignantes et Sissi refuse de s'y plier. Très vite, Sissi et sa belle-mère se détestent. D'ailleurs, à Vienne, personne n'aime Sissi. Enfin, en 1855, elle accouche de son premier enfant, une petite fille nommée Sophie d'Autriche. Sissi pense qu'elle va pouvoir se consoler de son ennui dans son rôle de mère, mais l'archiduchesse lui enlève littéralement l'enfant pour l'élever. Pour Sissi, qui a grandi dans une famille unie, lui prendre son bébé est intolérable. Et pourtant, une impératrice n'a pas à élever ses enfants elle-même. Elle doit tenir son rôle auprès de son époux. Toutes ses exigences lui minent le moral et elle s'enfonce dans la dépression. Son état empire après la naissance de sa deuxième fille Gisèle l'année suivante, qu'on lui retire également. En cette année 1856, François-Joseph emmène sa femme visiter la Lombardie et la Vénitie, des territoires italiens sous domination autrichienne. Sissi sera la touche charme de l'empereur pour séduire une population qui rêve de rejoindre l'Italie unifiée. Alors qu'elle assiste à un opéra à la Fenice de Venise, l'attitude des Italiens va la déconcerter. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à Sissi, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Sissi, la jeune duchesse en Bavière est devenue impératrice d'Autriche parce que l'empereur François-Joseph est tombé fou amoureux d'elle. Mais Sissi n'arrive pas à se plier aux exigences d'une vie de représentation. Elle s'enfonce dans la dépression. Épisode 2. Fuites et tragédies. Nous sommes en décembre 1856 à la Fenice, l'Opéra de Venise. Sissi et François-Joseph apparaissent dans la loge impériale. Le couple découvre avec horreur que le théâtre est presque vide et que personne ne les salue. C'est un affront au monarque. Les patriciens de la Sérénissime ont tenu à montrer par leur absence leur refus de faire partie de l'Empire autrichien. Pour les adoucir, Sissi convainc son mari d'alléger les sanctions prises contre eux pendant le printemps des peuples de 1848 en rendant les biens confisqués et en libérant les prisonniers politiques. Cette mesure fait remonter la cote de popularité du couple. Pour une fois, Sissi donne de sa personne et visite tout un tas d'œuvres de charité et d'orphelinat. Elle déteste ça, mais pour une fois, elle fait son devoir. L'année suivante, en 1857, le couple se rend en visite en Hongrie, qui dépend totalement de l'Autriche. Ce pays est très nationaliste et tient à son identité. Pour autant, les Autrichiens méprisent les Hongrois et les considèrent comme un peuple asservi. Pour énerver sa belle famille, Sissi apprend le hongrois et s'entoure de dames de compagnie hongroises en renvoyant ses dames de compagnie autrichiennes. Pour ce voyage, elle tient à emmener avec elle ses filles pour les présenter au peuple hongrois contre l'avis de sa belle-mère, l'archiduchesse Sophie. La petite Sophie tombe très malade et meurt après une nuit d'agonie dans les bras de sa mère. Sissi doit faire à la fois l'expérience impossible du deuil d'un enfant et de la culpabilité. Elle est un peu consolée par les élans d'affection du peuple à son égard.
Sincèrement éprise de ce pays, elle n'aura de cesse de pousser François-Joseph à reconnaître la Hongrie comme un pays à part entière. Après de longues tractations 10 ans plus tard, l'Empire d'Autriche deviendra l'Autriche-Hongrie, un empire scindé en deux, avec deux parlements, deux palais impériaux, mais sous la tutelle d'un seul monarque. La création de l'Autriche-Hongrie est le seul grand fait politique de Sissi. En 1860, Sissi est épuisée par cette longue tournée de l'Empire. Elle semble souffrir de problèmes pulmonaires qui ressemblent à une tuberculose. Aujourd'hui, les historiens pensent qu'elle somatisait pour fuir ses obligations. Avec la complicité de son médecin, elle s'organise un voyage sur l'île de Madère pour soigner sa toux. Elle renvoie toutes ses dames de compagnie viennoises pour s'entourer de jeunes femmes qu'elle apprécie. Elle se promène sur la plage, elle joue de la musique, elle retrouve la vie un peu bohème qu'elle vivait dans le château de son enfance à Possenhofen. De retour à Vienne, Sissi a pris goût au voyage. Elle va désormais passer son temps à fuir les obligations de sa vie d'impératrice après avoir donné 2 autres enfants à son mari, un héritier nommé Rodolphe et une dernière fille, Marie-Valérie. Le premier refuge de Sissi, ce sont ses appartements dans les différents châteaux impériaux. Elle organise sa chambre comme une salle de sport avec des espaliers, des anneaux, de quoi faire de l'escrime et une balance pour surveiller son poids. Après 4 grossesses, l'impératrice ne vit plus que pour préserver sa beauté. Son physique est étonnamment moderne. Elle est grande pour son époque puisqu'elle fait 1,72 m. Elle est aussi très mince parce qu'elle pèse 50 kg, dont 5 kg de cheveux. Pour mettre en valeur son corps fin et musclé, elle fait serrer son corset pour avoir un tour de taille de 55 cm. Pour entretenir ce physique hors du commun, elle fait beaucoup de marches et de cheval. Elle peut faire des chasses à cours pendant des journées entières montées en Amazone et même faire du saut d'obstacle. C'est une cavalière hors pair. Évidemment, elle ne peut pas conserver un tel physique sans restrictions alimentaires. Sissi est probablement l'une des premières anorexiques de l'histoire. Elle se nourrit de lait, de bouillon de légumes, de jus de cuisson des viandes et de jus d'orange. Ses seules gourmandises sont les glaces et les bonbons à la violette. Son alimentation lui attire le mépris de la cour, mais Sissi s'en fiche. Elle s'enferme dans son rôle de mal-aimée. Sissi passe aussi beaucoup de temps à entretenir son 1,70 m de cheveux. Elle se dit elle-même l'esclave de sa chevelure. Sa coiffeuse passe 2 à 4 heures par jour à la coiffer. En plus, Sissi ne supporte pas de perdre le moindre cheveu. Elle oblige sa coiffeuse à lui présenter ceux qui sont restés sur la brosse, sur un plateau après la séance de coiffage. Comme Sissi fait des crises à chaque fois, la coiffeuse a l'idée de coller des sortes de scotch sur son tablier pour que les cheveux qui tombent de la tête impériale restent accrochés dessus. Comme ça, Sissi ne les voit pas. Les historiens ignorent si elle était vraiment dupe de ce stratagème. Pour garder sa forme physique, lutter contre ses idées noires et se couper l'appétit, Sissi consomme régulièrement un nouveau médicament alors en vogue, la cocaïne. Avec tout ça, Sissi se sent belle, mais comme elle s'interroge sur la beauté, elle se fait offrir des photos de femmes sublimes du monde entier, qu'elles soient princesses ou courtisanes. Elle aime se comparer à elles et flatter sa vanité. Vers 40 ans, à la fin des années 1870, Sissi considère que sa beauté fanée ne mérite plus d'être vue. Elle sort de plus en plus souvent avec une voilette et fuit les photographes. Les journaux qui parlent d'elle en sont réduits à faire des photomontages en collant son visage de jeune femme sur son corps actuel. C'est à cette époque que le Miramar, son yacht, se transforme pour elle en seconde maison. Elle aime tellement la mer qu'elle se fait tatouer une encre sur l'épaule. C'est le summum du vulgaire à l'époque. Grâce au Miramar, Sissi peut sillonner les mers comme Ulysse. D'ailleurs,
Elle adore naviguer par gros temps, se faire attacher au mât et se laisser éclabousser par les embruns, exactement comme Ulysse s'attachait au mât de son bateau pour écouter les sirènes chanter sans succomber à leur magie. Sissi adore la mythologie. Elle en lit depuis qu'elle est enfant. Elle voue même un culte à Achille. Achille est un demi-dieu, c'est l'un des héros de l'Iliade. C'est un homme arrogant et capricieux qui ne veut en faire qu'à sa tête. Peu lui importe s'il est détesté. Elle s'identifie à lui, impératrice et femme. Elle ne veut vivre que pour assouvir ses désirs qui se résument à une fuite en avant. Cet amour de la mythologie la conduit naturellement en Grèce, du côté de Corfou. La douceur du climat méditerranéen en fait un lieu prisé de l'aristocratie qui commence à partir en vacances en ce milieu du XIXe siècle. Là, elle rencontre le consul d'Autriche, Alexander von Warsberg. Le coup de foudre n'est pas immédiat. Le consul confie dans ses lettres qu'il trouve l'impératrice laide et méchante. Elle lui parle comme une démente. Mais passé cette première impression catastrophique, von Warsberg et Sissi apprennent à se connaître. Ils sont deux rêveurs, passionnés de littérature et ils s'accommodent mal de la vie mondaine. Ensemble, ils vont imaginer un projet complètement fou, un palais inspiré des maisons de l'Antiquité avec des colonnes et des fresques de style pompéien. Cette demeure serait un hommage à Achille. Elle sera donc baptisée l'Achilléion. Von Warsberg va se mettre en quatre pour réaliser le fantasme architectural de l'impératrice. Il achète un terrain près de Corfou à prix d'or et fait dessiner les plans par un architecte italien. Malheureusement, il meurt avant de voir ce palais onirique achevé. Cette maison de rêve de 128 pièces a coûté 9 millions de francs or, soit 36 millions d'euros aujourd'hui. Dès que l'Achilléion est terminée, Sissi, éternelle insatisfaite, se trouve une autre toccade. Elle voyage à travers l'Europe avec ses propres wagons, une chambre et un salon grand luxe qu'elle peut attacher à n'importe quelle locomotive. Sissi passe les trois quarts de l'année hors de Vienne. En vieillissant, elle ne supporte plus du tout la pesanteur de la cour. Et un nouveau drame va achever de l'en éloigner. Le 30 janvier 1889, son fils Rodolphe, l'héritier de François-Joseph, est retrouvé mort dans le pavillon de chasse de Meyerling, en Basse-Autriche. Comme tous les Wittelsbach, Rodolphe était dépressif. Il n'a jamais supporté l'éducation très sévère que l'archiduchesse Sophie lui a fait donner pour faire de lui le digne héritier de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Rodolphe s'était réfugié dans la drogue, l'alcool et le sexe. Il se serait suicidé avec sa maîtresse Marie Vetsera. Selon certaines rumeurs, il s'agirait d'un assassinat politique déguisé en suicide. Sissi ne connaîtra jamais la vérité, mais cette perte l'enfonce encore plus dans la dépression. La nuit, quand elle est à Vienne, elle descend dans le caveau familial en hurlant le nom de son fils. À la fin du XIXe siècle, le spiritisme est à la mode et elle croit vraiment que Rodolphe lui fera un signe. 8 ans plus tard, en 1897, l'impératrice perd sa petite sœur, Sophie Charlotte, dans l'incendie du bazar de la Charité à Paris. La tragédie semble gravée dans l'ADN des Wittelsbach. L'année suivante, Sissi va à Genève pour rendre visite à des amis parmi lesquels les Rothschild. Elle descend à l'hôtel Beau Rivage avec une suite de quelques personnes et laisse un faux nom à la réception pour voyager incognito, même si personne n'est dupe. Le 10 septembre 1898, après quelques emplettes, Sissi marche vers le débarcadère de l'hôtel au bras de sa dame de compagnie. Elle doit prendre un bateau pour traverser le lac Léman et débuter un long voyage de retour vers Vienne. Sa dame de compagnie la presse, parce que le bateau est sur le point de partir. Mais l'impératrice a envie de prendre son temps. Elle regarde les montagnes à l'horizon. Soudain, elle est bousculée par un jeune homme qui, au lieu de s'excuser, prend la fuite. Sissi, qui est tombée par terre, se redresse avec l'aide de sa dame de compagnie. Elle pense qu'on a voulu lui voler sa montre.
Elle ne se sent pas très bien, mais il faut marcher vite pour monter sur le bateau qui quitte l'embarcadère après que les deux dernières passagères sont montées à bord. Sissi se sent de plus en plus mal. Elle n'arrive plus à faire bonne figure et s'évanouit dans les bras de sa dame de compagnie. Celle-ci défait le corsage de l'impératrice et découvre une tache de sang sur son corset autour d'une blessure en forme de triangle. L'impératrice a été poignardée avec une lime pointue longue de 9 cm. Le bateau fait machine arrière. On ramène l'impératrice dans sa chambre de l'hôtel Beau Rivage. Elle y meurt moins d'une heure plus tard, à l'âge de 60 ans. L'arme a touché le cœur. Luigi Lucchini, l'assassin de Sissi, est un désaxé anarchiste qui voulait tuer le duc d'Orléans pour libérer le peuple des tyrans. En apprenant que l'impératrice d'Autriche-Hongrie était là, il a changé ses plans par pur opportunisme. François-Joseph est dévasté par la mort de sa femme. Il l'aimait. Toute sa vie, Sissi a écrit des poèmes où elle exorcisait sa peine en noyant sa misanthropie dans l'encre noire. Elle avait pris des dispositions pour les léguer à la Suisse et les publier une soixantaine d'années après sa mort, afin que les recettes de ses ventes soient versées aux prisonniers politiques nécessiteux, dont fera partie son propre assassin. En 1951, le président de la Confédération helvétique, Édouard von Steiger, est honoré de pouvoir ouvrir la boîte léguée par l'impératrice, cette reine de beauté qui reste encore à son époque une légende romantique. La lecture de ces poèmes est une déception. L'impératrice se compare à Titania, la reine des fées dans le songe d'une nuit d'été de Shakespeare, mariée comme elle à un âne. Elle insulte copieusement toute la cour, traite la femme du tsar de guenon, bref, personne ne trouve grâce à ses yeux et elle rêve de mourir, tuée par Ulysse qui lui perforerait le cœur de sa lance avant que son cadavre ne dérive dans les océans. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré à l'impératrice Sissi. Il a été réalisé en partenariat avec Ad Vitam à l'occasion de la sortie du film Corsage le 14 décembre 2022. Abonnez-vous au Cœur de l'Histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au Cœur de l'Histoire est un podcast original Europe 1 Studio. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim, Camille Bichler est chargée de production, Julien Tarot a composé la musique originale et les musiques additionnelles avec la complicité de Sébastien Guidis. Kelly Decroix est chargée de la communication et Héloïse Bertil de la diffusion. Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle d'Au cœur de l'Histoire. À bientôt.